Elle est la récolte du boulot, la sève de boulot, le jus de boulot, on dit aussi l'eau de boulot. C'est la saison, bien sûr, qui a commencé déjà dans la plaine, hein, mais qui continue en montagne avec les belles journées qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc la sève de boulot, le jus de boulot, alors, attention à ne pas confondre avec le sirop d'érable. Hein. Là aussi, on peut faire du sirop avec ça, en le faisant un peu bouillir et après on récupère le sucre. Mais en général, le jus de boulot que l'on voit ici, eh bien, c'est un jus qui apporte beaucoup de bienfaits naturels et qui permet justement de nettoyer le corps au printemps. Depuis toujours, on a cette utilisation dans les campagnes. Alors dites-nous un petit peu si vous aussi, vous utilisez le jus de boulot, hein, ou l'eau de boulot, comme on veut. Très bien, boulot, magnifique boulot ici. Et donc, c'est un arbre. Alors, il faut savoir que c'est autorisé, évidemment, mais sauf en Île-de-France, c'est interdit en Île-de-France, parce qu'effectivement, si tous nos amis parisiens faisaient ça dans les forêts autour, au niveau des boulots, il y aurait beaucoup de boulots qui seraient utilisés. Alors, tout simple, l'utilisation est très simple. On met une petite paille ici. On met la bouteille ici et voilà, ça se passe dans la journée, pas la nuit, uniquement la journée. Et donc, on a cette récupération du jus de boulot. Alors, une fois que c'est terminé, ben, on va voir comment on fait. On va récupérer la bouteille. On met à la place, voilà, c'est très simple, on met à la place un petit morceau de bois ici qui permet d'éviter que ça coule. On récupère la bouteille et on la boit. Délicieuse bouteille, regarde comme c'est bon. Ah, c'est délicieux, tiens, c'est un petit plaisir. Légèrement sucré. Il faut savoir qu'au bout de quelques jours, ça commence à fermenter. Ouais, c'est aussi bon que l'agneau, là. Ah, c'est presque aussi bon que l'agneau, là. Délicieux. Très bon pour la santé. 3 verres par jour pendant 3 semaines, c'est ce que les anciens disaient. À la bonne vôtre. Merci, c'est frais et c'est très bon.